الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. On va citer le hadith de Abu Huraira que Allah Ta'ala l'agrée. C'est un long hadith. Il nous montre l'importance de consommer le halal. Et on comprend de là qu'une grande cause ou importance pour que ton invocation soit exaucée, c'est le fait de consommer le halal. Et que si tu es quelqu'un qui consomme le haram, ton invocation est loin d'être exaucée. Alors qu'on entend maintenant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam rapporté par Muslim de Abd al-Rahman ibn Sakhr, que Allah Ta'ala l'agré, il a dit, le messager de Dieu, إن الله تعالى طيب. ما معنى طيب؟ أي منزع عن العيوب والنقائص. إن الله طيب كم il y a dans un autre hadith إن الله جميل. طيب ici ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est exempt de toute imperfection. Il est exempt de toute ressemblance aux créatures. Et ce hadith il est pareil au hadith quand Allah ta'ala on dit جميل. On ne dit pas Allah est beau. On laisse le mot en arabe et on dit « Inna Allah jamilun » c'est-à-dire « Kamilul awsaf ».« Kamilul awsaf »« Yuhibbul jamal » agrée pour ses créatures les bons comportements, les bons attributs, l'honnêteté, la modestie, la générosité. Il aime pour les créatures, il agrée pour les créatures les bons attributs et les bons actes. Ou on dit qu'Allah Ta'ala agrée pour ses créatures encore qui seront propres. C'est pour cela que c'est recommandé dans l'islam la propreté, avoir une bonne odeur. Et dans le hadith, « Inna Allah jamilun yuhibbul jamal » معنى jamil, « Inna Allah muhsin » ou « Inna Allah ايش » « Kamilul awsaf »« Kamilun bithatihi wa awsafi » « Yuhibbul jamal » ou « Yuhibbul ibadihi » « As-sifat al-hasana » « As-sifat allati tadul ala al-shahama wal-karama wal-karam wal-jud wal-ihsan » أو أن الله تعالى يحب لعباده أيضا إيش؟ أن يكونوا على صفة حسنة في البدن. نظافة البدن شيء مطلوب، لذلك شرع في كثير من المجالس الاغتسالات المسنونة، منها عند اجتماع خير تغتسل، والطيب أيضا مطلوب. أما هذا الحديث إن الله تعالى طيب أي أن الله تعالى منزه عن كل النقائص والعيوب. Alors on a dit ce hadith qui ressemble un peu à l'autre. Lorsqu'on dit Jamil, c'est-à-dire Allah Ta'ala est bienfaisant, il a les attributs de perfection. Et là, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam a dit Inna Allah Ta'ala tayyibun, c'est-à-dire Allah Ta'ala est exempt de toute imperfection. Wa tayyibu fi al-lughati huwa al-hasan al-jayyid. Wa al-murad anna Allah Ta'ala bi-dhatihi wa awsafihi له صفات الكمال التي تليق به منزه عن العيوب والنقائص. Ce qui est voulu, on a dit dans la langue arabe طيب, c'est-à-dire on dit dans la langue arabe طيب ce qui est bien, ce qui est bien, جيد, حسن. Et ce qui est voulu ici, que Allah subhanahu wa ta'ala a les attributs de perfection et que Allah ta'ala est exempt de toute imperfection. Et dans les imperfections, le fait de ressemblance avec les créatures, c'est une imperfection. Allah Ta'ala ne ressemble pas à ceux qui sont créés parce qu'il est éternel. Et l'éternel, son début, ne ressemble pas aux créatures. Al-Azali, bidhatihi wa awsafihi, la yushbihu al-makhlouqat al-hadifa. La yakbalu illa tayyiban. La yakbalu illa tayyiban, يعني سواء
ولو كان هنا الكلام جاء في سياق أن لا يقبل من الصدقة إلا ما كان إيش الحلال الطيب، ولكن هذا الكلام أيضا من حيث العموم داخل فيه الاعتقادات والأعمال والأفعال، لا يقبل إلا طيبا. الله سبحانه وتعالى comme on a dit est parfait, il a les attributs de perfection, exempt de toute imperfection, n'agré, n'accepte, n'agré que ce qui est طيب. Ce qui est طيب ici, c'est-à-dire même si le hadith a été dans le sens on va parler du halal parmi l'argent, mais encore ce qui est dans l'i'tiqadat, ce qui concerne la croyance. Si quelqu'un est là, la mauvaise croyance en disant Allah est encore assis sur le trône, celui-là, ce n'est pas une aqida qui est valable, ce n'est pas quelque chose qui est juste. Allah n'accepte pas l'adoration de celui qui croit que Dieu est encore. Parce qu'en réalité, cette personne n'a pas adoré Allah, il a adoré une image sculptée par son imagination. C'est quoi la différence entre celui qui croit que Dieu est encore assis sur le trône, il est grand de volume, il est lourd par le poids, il a des membres, il a des organes, il a des tibias, il a des mains, il a un visage. Il y a un mujassim parmi ces gens-là, il a j'attribue tout à Dieu. Tout ce que vous voulez, vous pouvez dire dans le corps, je l'attribue, sauf la barbe, sauf l'organe génital. Ça. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre, lorsqu'il a fait son livre intitulé, il l'a nommé At-Tawhid, il a commencé à dire Babu al-Yadayn, Babu al-Rijlayn, Babu al-Ayn, Babu al-Yad, Bab. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Ibn Khuzaima, qui a fait un livre intitulé At-Tawhid. Alors, il a fait un chapitre, il disait les mains, l'yad, al-rijl, al-kaza, al-kaza. Et jusqu'il a écrit, il a dit Babu al-Farj. Il a dit Babu al-Farj en parlant de Allah Ta'ala. En parlant de Allah Ta'ala, il a dit al-Farj. En parlant de Rabb al-Alamin, il a dit al-Farj, l'organe génital. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens dans le tassim, ils sont allés jusqu'au dire Babu al-Farj, on parle de Allah Ta'ala, le Créateur. On parle de Rabb al-Samawati wal-Ard. On parle de Allah Ta'ala qui a dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay', wa huwa as-sami' al-basir. Celui qui a dit, lorsque les mushrikin ont posé la question, c'est quoi les attributs de ton Dieu, ô Muhammad, Allah Ta'ala a fait révéler, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alors est-ce que c'est valable de dire, dans le tawhid, on dit tawhid, chapitre, l'organe génital, il n'y a rien qui a été juste à ce sujet. Comme ça on parle de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Al-Fakhr al-Razi, il a dit, mais celui-là, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il est en train de dire? Il est en train de parler de Rabb al-Alamin, il parle de cette manière. Al-Imam Al-Fakhr al-Razi, l'auteur de livre Tafsir al-Kabir. Bref, pour dire que des fois, At-Tajsim rend la personne pire qu'un animal, pire qu'un âne. التجسيم يجعل بعض الناس ينزلون في الفهم رتبة دون مستوى البهائم دون مستوى البهائم وذلك لأن القول بالتجسيم لا يقبله العقل السليم. Le fait de dire Allah est encore, c'est pas quelque chose qui est accepté par la raison saine. Et celui qui accepte de dire Allah est encore, il a un poids, il a deux mains, il a ça, il a ça, il a ça, alors il ressemble cette personne à un idolâtre. La différence, seulement une seule différence. Que l'autre a mis la statue devant lui, il l'a adoré. Et celui-là, il l'a sculpté par son imagination. Al-Farq, بين عابد الوثن اللات والعزة وضع اللات والعزة فعبده أمامه وهذا المجسم أعني ابن تيمية جسم الله تعالى وتخيله فما الفرق بينه وبين عابد الوثن هذا نحته في فكره وذلك وضعه أمامه فعبده أما رب العالمين ليس بجسم ليس بجسم قال الإمام أحمد رضي الله عنه من قال إن الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا الكلام الحنفية ذكروه كثيرا من قال الله جسم لا كالأجسام كافر. ولنذكر لنذكر شيء مهم. يعني كنت بعلمكم كنت في جزيرة موريس من في خلال أسبوع، وواحد يريد أن يدافع عن ابن تيمية، يقول ابن تيمية يعني يقول بالتجسيم لكن البعض ما كفروا المجسم. إن أراد إمام من أئمة المسلمين غير صحيح، ما في إمام من أئمة المسلمين قال المجسم غير كافر. نحكي على أئمة أهل الاجتهاد، أو بتحكي على أئمة الذين هم من أهل الترجيح،
أو بتحكي الأئمة الذين هم مجتهدون في المذهب، لا يوجد إمام من هؤلاء الأئمة المعتبرين قال المجسم ليس بكافر. إنما يوجد من يلطق عليه اسم شيخ وهو في درجة طفل الرضيع أمام أولئك الأئمة، مثل الهيتمي، مثل الهيتمي أو البجيرمي. هؤلاء ذكروا أن المجسم به أقوال والصحيح لا يكفر، هذا قول باطل غير صحيح. لكن هذا الذي يعني أراد أن يعني يأتي بأدلة ليستدل على أن من علماء أهل السنة لا يكفرون المجسم، وضع كلام إمام من الأحناف يقال له الزيلعي، يقول من قال الله جسم لك الأجسام إن أراد بذلك التشبيه فهو كافر، وإن أراد فقط اللفظ، لفظ جسم مع اعتقاده أن الله ليس بجسم بس مراده بذلك أنه موجود أو أنه قائم بذاته لا يحتاج إلى غيره، لا يفهم شيء من معنى الجسمية إلا أنه أثبت اللفظ واعتقد الصواب ولكن أثبت اللفظ، قال قيل لا يكفر، قيل لا يكفر، وقالوا وقول آخر أنه يكفر. نحن شيخنا بيقول لا يكفر، بس لتعرفوا إذا إنسان قال جسم لك الأجسام ولا يفهم من كلمة جسم إلا أنه موجود، لا يفهم معنى الجسمية، لا يفهم الحلول، لا يفهم الجسم، لا يفهم الحجم، لا يفهم أنه محصور في مكان، كل هذا لا يقوله، فشيخنا بيقول لا يكفر، عملا بأن كثيرنا أما قالوا بمثل هذا الحال وجدنا بعض الكرامية يقولون هذه العبارة ولا يفهموا منها إلا أنه ذات موجود لا يشبه الموجودات، فقال لا يكفرون، ولكن هذا الكلام لا يجوز، حرام، لأنه قال ما لم يقله الله وما لم يقله رسول الله. من بعد الزيلع يقول وقيل يكفر، وقيل يكفر، ثم يقول وهذا القول بالتكفير حسن وهو أولى بالتكفير. فإذا هذا الذي أتى بالأوراق يريد أن يستدل بها على أنه بزعمه أن ابن تيمية بقوله بالتسليم لا يكفر، هذه الأوراق ترد عليه، بل هذا الإمام قال هو ولو قال أراد اللفظ يكفر، فكيف وابن تيمية لم يرد اللفظ؟ لأنه قاله على وجه التشبيه، قال الله جسم قاعد له مكان له وزن له حد، كل هذا الأئمة المعتبرون قالوا بأنه كافر، أما من لا رتبة لا مكانة له عند الأئمة إنما هو صغير دوره النقل مثل الهيتمي قال شيئا هو يتحمل مسؤوليته. كذلك في آخر هذا الكتاب الأوراق التي ذكرها وضع كتاب تشنيف المسامع شرح همع الهوامع للزركشي، ذكر أيضا هذا أن بعضهم قال ولو بمجرد اللفظ قال جسم لك الأجسام ولم يرد إلا اللفظ فقط مع اعتقاده أن الله ليس بجسم ولا يقول له مكان ولا يقول له حد، قال وقيل بكفره لأنه قال بما لم يقل الله ولم يقله رسول الله وخالف الإجماع. Au sujet de إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا dans l'aqida celui qui croit Allah est un corps alors celui-là c'est pas dans الطيب au sujet de l'aqida parce qu'il est dans le tassim et celui qui croit que Allah est un corps qu'il a une place qu'il a rempli le trône qu'il a un poids, il n'y a pas de divergence au sujet de sa mécréance chez les imams qui sont jurisconsultes à haut niveau. Maintenant des petits qui n'ont pas ce degré, leur degré c'est le fait de rapporter. Ils rapportent la parole et ils ne sont pas mujtahid mutlaq. Ils ne sont pas mujtahid dans l'école. Ils ne sont pas dans le niveau de ceux qui favorisent. Ils sont beaucoup plus bas, comme l'haytami. Alors tu vas prendre la parole de l'haytami pour rejeter la parole de l'imam Ahmed. Et ce qui est étonnant, que tu trouves dans certains livres que ces gens la lisent dans Shifa ou quelque chose, ils te disent, celui qui dit le prophète Mohammed est noir, il a mécru. Alors celui qui dit le prophète Mohammed est noir, mécru. Celui qui dit Allah Rabbil Alamin est encore, n'a pas mécru. Mais là, comment ils raisonnent ces gens-là? Vous voyez, ils ont dit, celui qui dit An-Nabi est l'être humain, il peut être noir. L'être humain, il peut être noir. Mais pour eux, celui qui a dit Mohammed est noir, il n'a pas reconnu le prophète Mohammed arabe de Quraysh. Alors il a dit, il a mécru. Alors celui dit que Mohammed
il a la couleur noire, il n'est pas musulman, il est mécréant. Celui qui dit Rabbul Alamin est un corps, il est toujours musulman. Et après, certains, ils disent, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont dit Ibn Taymiyyah est kafir? Vous allez entendre. Est-ce qu'il y a un grand imam qui a dit Ibn Taymiyyah est kafir? On a dit Soub qu'il a fait plusieurs livres dans lesquels il te fait comprendre qu'il a mécru lorsqu'il contredit le Coran, il rejette l'aïa. Al-Tahawi, il a dit rejeter les textes, c'est la mécréance. Lorsqu'il rejette quelque chose qui est unanime dans le Coran et la Sunna et l'unanimité, il a dit Jahannam, il a une fin, c'est de la mécréance. Il dit que le monde n'a pas de début par son genre, c'est de la mécréance. Mais sur ce sujet, concrètement, il y avait un grand imam qui s'appelle Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi. C'est un grand imam Hanafi. Mais c'est un imam qui n'est pas hypocrite. C'est un imam qui n'est pas lâche. C'est un imam qui n'est pas peureux. C'est un imam qui ordonne le bien et blâme le blâmable. Lorsqu'il y avait les grandes séances, lorsque des fois il y a les juges, il y a le fuqaha, il y a le mufassirin, il y a les linguistes, ils se retrouvent des fois dans certains événements, la mort de quelqu'un ou autre. Lorsqu'il y a l'assemblée d'un grand groupe des savants de l'islam, c'est là où Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi il dit, c'est lui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Voilà, vous êtes là. Il y avait une soixantaine, ou une dizaine, ou vingtaine, ou centaine. C'est lui qui nomme Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam, c'est un kafir. Ça nous a été rapporté que personne osait dire devant lui un mot. Pourquoi? Parce que c'est un imam qui a la science, qui a les preuves, qui a les arguments. Il y a quelqu'un, Hafiz, qui s'attribue à l'école Shafi'ite, il s'appelle Ibn Nasr al-Din. Hafiz Ibn Nasr al-Din. Il a fait un livre dont le contenu n'a pas de valeur. Sauf que le titre a confirmé ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'il a nommé le livre? Ma asmu hadha al-kitab sammahu Ar-Radd al-Wafir على من زعم أن تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام كافر. الرد الوافر. تعرف يعني الوافر يا حاج؟ الوافر يعني الزائد المبهبط الطافح الطافح. آه. lorsqu'on dit الرد الوافر la réplique abondante la réplique qui va dans tous les bords sur la personne qui a dit que si vous nommez شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام est un mécréant. alors c'est la réplique contre celui qui dit « Nommé Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam est un mécréant. » Un savant parmi les Turcs, Mbadl, Mu'assini, c'est un contemporain ou quelque chose. Il a lu tout le livre. Il a dit ça, c'est pas une réplique. A plus forte raison de dire « Wafir ». C'est pas une réplique. « Hada laysa raddan ». Lesh, pourquoi? Parce que l'imam Ala ad-Din al-Bukhari al-Hanafi, les imams avant, comme Subki, comme Tajuddin, et beaucoup d'imams, Ibn Jahbal, et beaucoup parmi les savants de l'islam, Ibn Jumaa, et parmi ces savants, Cheikh Abdullah, qui a fait tout un livre au sujet de Ibn Taymiyyah, pourquoi il est égaré. Ces gens-là, ils ont mis le point sur le zi. Pourquoi? Il dit, Jahannam, il a une fin. Il contredit le Coran. Il a dit que Allah est un corps. Il contredit le Coran. Il dit que le monde n'a pas de début. Il contredit le Coran. Alors ils ont signalé. Lorsque toi tu me dis, oui, il y a tel savant qui l'a loué. Non, mais dis-moi à ces points, celui qui dit cette parole, est-ce qu'il est musulman? C'est comme ça qu'il faut répliquer. C'est comme ça qu'il faut répondre. Parce que on peut avoir 1000 personnes qui ont loué quelqu'un, qui n'ont pas su qu'est-ce qu'il a dit. Comme Abu Hayyan al-Andalusi au début. Il a loué Ibn Taymiyyah. Lorsqu'il a vu, il dit Allah s'assoit sur le trône, il laisse une place à côté de lui pour Muhammad. Il l'a maudit. La'anahu. Wa qala ma jara alayhi wa ala atba'ihi qalilun mimma yastahiqqun. Il a dit ce qu'il a eu lui, le fait dans la prison, enlever tous ses disciples de leur poste. Et on a même dit au temps du sultan Mahmoud ibn Qalawun, c'est lui qui croit à la croyance de Ibn Taymiyyah. C'est un kafir, il sort et on peut le tuer. C'est ce qui a été dit au temps du sultan Mahmoud ibn Qalawun. Kafirun halla damuhu. Après, tu vois des gens. Moi je dis, faux maulana, parce que là-bas souvent, maulana. Mais maulana quoi? Ou quelqu'un dit allama.
allama. Et il met des papiers argumentés contre moi. Et moi, j'ai dit, j'ai pas besoin de ramener quoi que ce soit. J'ai pas besoin ni de papiers, ni de livres. Les papiers que lui, il a ramenés, ça me suffit. Les papiers que lui, il a mis pour ce sujet me suffit. Par ces papiers-là, je prends la première page et la dernière, et c'est bon. Et c'est bon. Et les imams, là, ils ont été plus loin que le cheikh Abdullah. Et pour dire toujours, celui qui dit Allah est un corps, et il vise qu'il a des membres, qu'il a des organes, il a une quantité, un volume, il n'y a pas de divergence qu'il est mécréant chez les imams considérés. Chez d'autres qui n'ont pas un niveau élevé, leur parole n'est pas considérée. Lorsqu'ils contredisent ces gens-là, leurs imams dans l'aqidah, on prend pas, on ne délaisse pas les grands imams. Lorsqu'il y a les paroles de certains imams, comme Shafi'i, comme Abu Hanifa, comme Malik, il ne faut pas délaisser ces grands walis, ces grands salihin pour rendre à quelqu'un qui n'est pas à un niveau comme un enfant qui prend un biberon et quelqu'un de très grand. Quel niveau entre les deux? C'est loin, c'est une grande différence. فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا من الأعمال والأقوال والأفعال والاعتقادات. الله تعالى n'accepte que ce qui est bon et juste, qui correspond à la vérité, que soit parmi la croyance, que soit parmi les actes, que soit parmi les paroles. Il faut toujours que tes paroles et seront bons. Et comment on peut dire bien, considérer bien, s'ils sont en conformité avec le Coran et la Sunna et l'unanimité. C'est là où on peut dire ces paroles sont bien, ces actes sont bien, cette croyance est bien. Yani, ma kana muwafiqan lish-shara', ce qui est en conformité avec الشرع الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام خالصا من المفسدات وما يمنع الأجر والثواب. Par exemple, مثلا, que les actes qui seront purs et valables et en conformité avec ce que Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام a transmis, alors on a dit par exemple les actes qui ne sont pas fait en ayant l'ostentation. العمل الذي عمل وليس معه رياء وليس معه عجب. Il n'est pas accompagné par l'infatuation, le fait de s'émerveiller et le fait de dire moi je fais beaucoup d'actes, moi je suis un homme de bien, moi je prie, je jeûne, je fais. Alors il tombe dans le عجب, il oublie que c'est Allah qui l'a guidé à faire. فانتفاء القبول قد يؤذن بانتفاء الصحة. Que si l'acte n'est pas accepté, c'est possible qu'on dit l'acte n'est pas valable. Mais des fois on dit l'acte est valable, mais puisqu'il manque telle et telle chose, alors il n'a pas de récompense. Même s'il a rempli certains piliers, il a rempli certaines conditions, mais il y en a des fois des conditions pour l'acceptation, comme par exemple on dit il faut avoir la sincérité, comme le fait de dire il faut que dans le ventre il y a de la nourriture halal, qu'il n'y a pas le haram. S'il mange le haram et il prie, il n'a pas de récompense dans sa prière. Sa prière n'est pas acceptée parce qu'il manque une condition d'acceptation. إذا أكل حرام وصلى صلاته غير مقبولة ولو كانت صحيحة من حيث الأركان والشروط لكن ينقص شرط من شروط القبول. إن كان يلبس ثياب من حرام, s'il porte des habits qui sont illicites, alors la prière n'a pas été acceptée, dans le sens il n'y a pas de récompense parce qu'il porte des habits qui viennent du haram, même s'il a fait certains piliers ou les conditions et les piliers justes. كما في حديث الشيخين وغيرهما لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فهنا إيش الصلاة بالمرة ما صحيحة؟ ليش؟ لأنه ترك شرطا من شروط الصلاة. Alors comme le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, que Allah n'agrée la prière de l'un de parmi vous si il a rompu son wudu jusqu'il refait le wudu. Yani jusqu'il renouvelle ou de nouveau il fait son wudu. Mais une fois que le wudu est annulé, la prière n'est pas valable du tout parce qu'il y a une condition de validité. C'est quoi la purification? Sans wudu, on n'a pas le droit de rentrer dans la prière. Abu Hanifa radiyallahu anhu yaqul man dakhala fi ssalat min ghayri tahara 'amdan kafar. Abu Hanifa il dit celui qui rentre dans la prière volontairement, il sait qu'il n'a pas le wudu et il rentre dans la prière, il dit ça c'est un dénigrement pour la prière, il a mécru. Beaucoup de fuqaha ont dit mais c'est pas une chose qui implique, peut-être il le fait par paresse, par négligence, tu vois.
et ils disent, oh, il a commis un grand péché. Yani, il n'a pas voulu dénigrer, il n'a pas dit halal, et, mais par paresse, il ne veut pas se lever devant les gens, voilà, je prie, et il n'a pas dit c'est valable, il n'a pas dit c'est halal, et il n'a pas voulu se moquer de la prière. Beaucoup de savants de Ahl-Din ont dit c'est un grand, grand péché. Mais pour dire que certains l'ont déclaré mécréant, comme Abu Hanifa, radiyallahu anhu. وقد يكون انه ان الثواب غير مقبوله بالحرمان من الثواب كما في خبر احمد من صلى في ثوب قيمته 10 دراهم فيه درهم حرام لم تقبل له صلاه ما كان عليه منه. Alors, on parle que l'imam Ahmad رضي الله عنه a rapporté que le hadith et d'autres que Allah Ta'ala n'accepte pas la prière de quelqu'un qui a porté un habit à 10 dirhams et il y a un dirham parmi les 10 qui n'est pas halal. Il y a un dirham qui a été payé dans les 10 dirhams, il y a un dirham qui vient de haram qui a été payé pour l'habit. Alors la prière de celui-là, tant qu'il porte cet habit-là, qu'il y a le dirham-là qui n'est pas halal, la prière n'est pas acceptée. N'est pas acceptée. فإذا رواية أحمد ما دام عليه tant que cet habit il le porte et il prie avec ça il n'a pas de récompense. رواية البيهقي ما دام عليه منه شيء. رواية البيهقي même s'il porte quelque chose de cet habit tant qu'il porte quelque chose de cet habit et toujours comme on dit il y a un dirham qui est haram la prière n'est pas acceptée. Alors vous voyez à quel point on dit c'est important que la personne mange du halal. C'est important de porter le halal, c'est important d'être dans une maison qui vient du halal. Et le cheikh Abdullah rahimahullah, au moment que les gens à Beyrouth, au Liban, même en Tunisie, même en Algérie, tous les pays colonisés par De Gaulle à l'époque, ils ont pris une loi que tu loues la maison et tu restes et la maison sera à toi. Après, le propriétaire, il dit, voilà, j'ai loué la maison à ton grand-père à l'époque, 5 francs. Ils étaient dans le valeur 5000 francs à l'époque. Maintenant, j'ai besoin de ma maison. Non, non, je ne sors pas. Je ne sors pas, je reste dans la maison. Et je te paye toujours. Au lieu de te payer 5 francs, je te paye 20 francs que tu peux acheter un kilo de fromage. Et à l'époque, c'était 5000 francs le valeur, et il ne sort pas. Dans l'islam, lorsqu'on loue un appartement ou un magasin ou quelque chose, on fixe la durée, une année, un mois, 10 ans, 20 ans. Après ça, le propriétaire a le droit de récupérer sa maison, son magasin, sa terre, sans payer un centime comme frais. Sans payer quoi que ce soit. La maison à lui, je t'ai loué. Je ne t'ai pas donné. Je t'ai loué pour une année. Je t'ai loué pour 6 mois. Après, à l'époque, il disait au cheikh Abdullah, où elle sort la famille? يعني إذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان ينام بالخيمة أنت كتير عليك يعني ما صعب عليك يعني ils disent mais on va où si on sort on va où mais j'ai dit si Amir al-Mu'minin Omar ibn al-Khattab il dormait dans une tente. Et Sayyidina Isa n'avait ni maison ni tente. Alors toi, tu ne peux pas vivre sans ça. Yani, il y a des anbiya, et ils n'avaient pas une maison. Et toi, tu dis, je vais où? Tatawakkal ala Allah. Retrouve, tu trouves carton tene, tu l'as, ma joie, tu as fait un bête zrir. Haffet nar, haffet bahar, ras jabal, ma barbech. Wallah, bifarraj an l'insan, alladhi yattaqillah, wa man yattaqillah, yaj'al lahu makhraja. فلما بعض الناس لا ما بطلع القانون لك يا عمي ما انت صلاتك اغلى من الذهب تاع الارض كلها بس بهالطريقه ما لك ثواب ويصرون على ان يخرجوا الا يخرجوا جدي بس كو il faut que tu sois dans une maison halal pour que la prière soit valable si tu n'es pas dans une maison halal alors là c'est grave et comme ils disent la loi de qui de François Mitterrand, de Charles de Gaulle. C'est pas la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas din al-Nabi Muhammad. هذا ليس din al-Nabi Muhammad. C'est la loi
des forces coloniales qui a envahi nos pays et nous a amené des lois pourries que eux-mêmes ils ont délaissé. Et nous on reste. Alors il dit, comment tu fais ta prière? La maison n'est pas à toi. On te dit, tu sors, tu ne sors pas. Tu me payes la somme que ton grand-père, lorsque ton grand-père a payé cette somme, il avait une valeur de 5000 francs par exemple, et maintenant tu me donnes une somme de 10 francs ou 20 francs par mois. Et tu dis, je te paye. Je veux mon appartement. Ils te disent, non, la loi du pays. Nous parlons de la loi du pays, on parle de la loi de Dieu Azza wa Jal. La loi de Dieu Azza wa Jal. Alors tu veux pas, mais moi je perds un peu d'argent, mais toi, à chaque fois que tu pries, la prière n'a pas de récompense. À chaque fois que tu pries, la prière n'a pas de récompense. Et la prière de sunna, chaque sunna, elle est mieux que la terre et ce qui est dedans. Que tu dis pour Ford? Cheikh Abdullah, à l'époque, depuis 50 ans, il donnait ce jugement. Et il venait des fois des imams avec turban. Il voulait défendre la loi. Cheikh Abdullah, il dit, mais nous, on parle de l'islam. Bref, Ar-Rasoul قال, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Allah n'agrée que ce qui est en conformité avec l'islam. Tu portes un habit de haram, la prière n'est pas acceptée. Tu manges de l'haram, la prière n'est pas acceptée. Tu es dans une maison que tu habites dedans, malgré le propriétaire qu'il t'a loué pour 2 ans, et maintenant ça fait plus que 2 ans, tu n'acceptes pas de sortir en disant la loi, la prière n'est pas valable. Et tu commets un grand péché. La prière n'est pas dans le sens, certains ont dit c'est pas valable, mais disons c'est valable sans récompense, comme ils disent beaucoup. C'est valable sans récompense et tu as commis un grand péché. Regardez, le grand péché et la prière, tu n'as pas de récompense. Il dit, je vais où? Tatawakkal, je me fie à Dieu et c'est Allah qui te facilite les choses. Je vous rapporte qu'il y avait quelqu'un, il travaillait dans un bâtiment et il y avait ce problème. On lui a dit, tu dois sortir. Il a dit, mais j'ai pas de maison, je suis pauvre. J'ai pas de maison, je suis pauvre. Il travaille comme sanitaire ou électricien. J'ai une famille, comment je fais? On lui a dit, tatawakkal ala Allah subhanahu wa ta'ala, shu bdak ta'amil? Parce que le propriétaire de la maison, il veut. Alors, par la suite, il a remis la maison à la personne sans rien demander. Il demande une somme d'argent pour sortir. Des fois, qui est proche du valeur de la maison, ou la moitié, ou quelque chose comme ça, il demande. Bon, lui, il n'a rien demandé, il a quitté. Après, celui qui l'a conseillé, il a parlé avec celui qui construit tout le bâtiment. Il a dit, il y a quelqu'un qui travaille avec nous dans cet immeuble, dans cette construction. Il est pauvre, il a fait ça et ça et ça et ça. Il lui a donné une maison. Le constructeur, là, il lui a donné une maison. Ou il lui a donné une grande somme pour acheter une maison, ou il lui a donné une maison. ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى لو ما اعطى الله تعالى بيفرج الله بيفتح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المهم ان تتعود ان لا تمد يدك الى حرام le fait l'importance c'est le fait d'apprendre de ne pas tendre la main pour quelque chose qui est illicite. فمن حرص على قبول أعماله انتقى الحلال الخالص لينفق منه بالنية الحسنة. Celui qui veut que ses actes soient acceptés, il ne cherche que le halal. Pur halal. Pur halal. Et voilà, par la suite, il dépense de ça. Pour lui, pour sa famille, pour son épouse, comme au monde, de cette manière. يقول يحاول قدر الإمكان البعد عن الشبه. Il cherche de tout ce qu'il peut de s'éloigner là où il y avait des choses douteuses. لأنه من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. يعني الإمام النووي اجت فترة خلاص ما عاد يأكل من دمشق شيء. À un certain moment النووي il voulait rien manger de Damas. À l'époque de النووي, يعني tu parles d'à peu près 9 siècles en arrière. 8 siècles, 9 siècles en arrière, il mange rien parce qu'il a vu que les contrats d'achat, des ventes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas valables, il y a beaucoup de haram qui est mélangé avec le halal. Il attendait que sa maman lui envoyait le pain avec la caravane une fois par mois. Il ne mangeait que de ça.
dans le pays de Cham, il avait beaucoup de bien. Mais pour délaisser les choses douteuses, il a arrêté de manger de ça. حتى يقيل انه سرق الدجاجة في مصر lorsque Shafi était en Égypte, on lui a dit il y a quelqu'un, on a volé un poulet. Et là, il a délaissé de manger le poulet pendant 2 mois par crainte que le poulet qui le prend soit celle qui est volée. انه ترك الدجاج شهرين خوفا من ان تكون هذه الدجاجة هي التي سرقت. ترك الدجاج شهرين لا يأكله. فإذا il faut chercher la bille du halal, l'endroit, la maison du halal, la nourriture du halal pour aller prier et par la suite encore tu assures encore que tu fais les piliers de la prière, que tu fais les conditions de la prière, tu cherches le recueillement. مايك بتحاول تحصل على الخشوع والإخلاص وتأتي بالأركان كاملة من التكبير إلى السلام. من التكبير إلى السلام بالفاتحة. واحد بتجيب الصاد بالقاف والميم وغير ذلك. Il faut respecter la prononciation des lettres de l'Fatiha. On va pas lire l'Fatiha comme si on parle un dialecte. بعض الأحيان تستغرب. تستغرب. أنا je suis étonné. بأول ركعة تاني ركعة ما شاء الله قديش أخذ بالفاتحة. Certains imams. Première raka'a, deuxième raka'a, il est long, il lit le Fatiha tranquillement, quelle belle voix, mashallah. Telle raka'a, rabe raka'a, lahou la l'imam, lahou, look ya akhi choubek, laish hadik qara'ata b'sot hilo amahlak ou haydi mitl s'warouk, b'sur'at s'ot, laish, pourquoi, la troisième raka'a, la quatrième raka'a, rapide, rapide, tu es à peine. إياك نعبد وإياك نستعين إلى في الركوع. Et moi d'ailleurs, moi, je me considère que je suis rapide. Moi, je me considère que je suis rapide et j'arrive. إياك نعبد وإياك نستعين. Alors notre imam a déjà fait le ركوع. Mais comment? Pourquoi tu as fait la première rak'at lentement, doucement? Ah, parce que les gens m'entendent. وبر رك'at الثالثة والرابعة رب العالمين يسمعك. Dans la troisième et la quatrième, Allah Ta'ala entend ta lecture. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu n'as pas fait bien comme la première et la deuxième? Ah, parce que dans la troisième et la quatrième, personne n'entend. Pourquoi je vais faire tranquillement? Mais toi, tu fais la prière pour les gens ou pour Allah le Créateur? Pour Allah le Créateur. Alors, faites attention dans la troisième et la quatrième. Prononce bien et tranquillement. Cherche al-khushu'. Ibhas an l'ikhlas. Iqra jayidan. أو لا هداك بده يقرأ سورة يوسف بالعشاء ويبكي. Il veut réciter سورة يوسف dans la prière de العشاء et il pleure. ليش يا أخي ما رحت قرأتها بالبيت عند أمك وبكي قد ما بدك؟ Pourquoi tu n'as pas été chez toi à la maison? Tu as fait la prière سنة en سورة يوسف والبقرة وآل عمران و pleure. Il y a toi et Allah Ta'ala, le Créateur, qui te voit. Les gens ne te voient pas. Ah non, mais c'est ça. Il n'y a pas des gens. Pourquoi pleurer? Et pourquoi faire long? Nous, Abdur al-Bait, ma fi hada. Baddi ibki, ma fi hada. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. As-salihoun, aks haoula. As-salihoun, agissent à l'encontre de ces gens-là. Là où il est tranquille, c'est à la maison. Mais Sayyidina Othman رضي الله عنه يقرأ القرآن في الوتر. أبو حنيفة يقرأ القرآن في ركعة في 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 الليل اللي غسيت طول القرآن دون الوتر. أبو حنيفة عثمان عفان. Mais chez lui à la maison, chez lui à la maison, avec les gens, il soit bref. فإذا le cœur, l'intention, la science, l'habit qui est halal, l'habit qui est halal, la nourriture qui est halal. وإلا ضع التراب في فمك ولا تأكل حرام وإلا non si tu trouves pas le halal mais la terre dans ta bouche ne met pas le haram dans ta bouche. روح شوف إذا فيك تأكل مع بطاط البحيرة بلوزان ولا تأكل حرام. Regarde si il reste un peu du pain qu'on jette pour les oies au lac. Mange ça et tu manges pas le haram. Tu tendes pas la main pour quelque chose volé ou qui est pris par usure ou qui est pris injustement. فإذا الرياء أي خطر هذا؟ L'ostentation
quel grand problème. وبالعبل لما بيكون الواحد هيك يخشى عليه من سوء الخاتمة يا أخواننا. Lorsque la personne elle est comme ça et il fait montrer aux gens, tu vois, et il y a une mauvaise augure du péché qui est l'ostentation. Il y a une mauvaise augure. Il y a un risque de mourir mécréant. لما الإنسان بيترك أعداء الله وبده يحارب أهل الحق مثل سفو مولانا. فو مولانا il a dit أنتم les élèves de Cheikh Abdullah, il a dit sont pires que l'Wahhabiyya. Il a dit sont pires que l'Wahhabiyya. Alors d'après lui Zarkashi, Zaylaï, Al-Nawawi, الإمام أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، الإمام مالك، أبو حنيفة، علماء الهند الذين جمعت فتاويهم بالفتاوى الهندية، هؤلاء عند هذا الرجل الخبيث هؤلاء أشر من الوهابية. Alors selon ce dajjal, selon ce menteur, selon ce prétendeur, il dit que celui qui déclare Ibn Taymiyyah kafir parce qu'il a dit encore tout en croyant qu'il a un poids, qu'il a une quantité, un volume, dit ça c'est pire, si vous, ça c'est pire que l'Wahhabiyya. Alors c'est Zarkashi qui a dit, c'est l'imam Zarkashi qui a dit, et c'est dans tes papiers qu'on a trouvé. C'est Zaylaï qui a dit, et c'est toi qui as mis ça dans tes papiers. Et c'est l'avis de l'imam Ahmad, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de l'imam Malik, et c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, comme il a rapporté Mulla Ali al-Qari. Et c'est beaucoup des savants de l'islam, c'est les grands imams sur cet avis. Qu'est-ce qu'ils disent? Un mufti, un grand savant, Mahmoud Khattab Subki, il dit, celui qui dit qu'Allah est assis sur le trône, il est dans une place, dans une direction. Il est mécréant par l'unanimité des savants qui sont au niveau des imams considérés dans l'islam. قول الذي قال بالجسمية وقال بالحيز والمكان الشيخ محمود خطاب السبكي. يقول الذي قال بالجسم وقال بالمكان كافر بإجماع من يعتد به من أئمة الإسلام. إذا عم نحكي عن أمة الإسلام الذين يعتد بهم كل هؤلاء قالوا أن قائل هذا ما بس هيك كافر ولا يصلى عليه وتطلق امرأته ولا يرث ولا يورث وغير كل الأحكام كلها. هذا في كتاب إتحاف الكائنات للشيخ محمود خطاب السبكي. ومرة قرأت لكم النص une fois je vous ai récité le texte et je peux le réciter une deuxième fois, il n'y a pas de problème parce que ça a été au début du livre. بس حتى تشوف الخذلان, tu veux savoir à quel point Allah Ta'ala a humilié certains, tu veux voir à quel point Allah a humilié certains lorsqu'il délaisse la vérité et il suit l'égarement, lorsqu'il combat les gens de la piété et il soutient les gens de l'égarement. À ce point-là, الخذلان نعم أحيانا بيوصل بعض الناس أن الله يخذلهم خذلان وأي خذلان يحارب أهل الحق وينصر أهل البدع والضلال. بعد هذا في خذلان أكثر من هذا, في خذلان بعد. Il y a une humiliation plus que ça qu'il est en train de parler contre les gens de la droiture, qui parlent de la bonne aqida comme l'imam Abu Hanifa, il parle de l'aqida comme l'imam al-Tahawi, il parle de l'aqida comme l'imam al-Bayhaqi, il parle de l'aqida comme l'imam al-Baqillani, il parle de l'aqida comme Ibn Hajar al-Asqalani, il parle de l'aqida comme al-Nawawi. Et tu combats tous ces gens-là pour soutenir quelqu'un qui dit qu'Allah est encore assis sur le trône, il pose ses pieds sur le coursier, il laisse une place à côté de lui pour Muhammad, mais il peut être sur un moustique et le moustique le prend là où il veut. Tu es en train de défendre un comme ça. Na'ouzu billahi min al-khidlan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservé et protégé et d'être protégé, d'être humilié de cette manière-là. وأما من لم يراعي قلبه وبطنه وماله وأعضاءه ولم يتزين بالعلم بل خبط خبط عشواء فهو أعمى يمشي بين الحفائر أو ضال في أرض مسبعة مليئة بالأشواك والهوام القاتلة فما بقاؤه قبل عطبه. Alors celui qui n'a pas accepté de mettre la science en pratique et de chercher le halal au niveau de l'habit, de la nourriture
Et le fait d'avoir la bonne intention, la sincérité, et de voir le khushu' et de s'éloigner de l'haram, et de faire une prière complète avec les conditions et les piliers, et dans les autres actes. Celui qui n'a pas voulu agir de cette manière, alors son exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui marche en plein ténèbres, dans une terre pleine de trous, pleine de bêtes féroces, pleine de serpents, pleine de scorpions. Vous pensez comment il peut rester, combien il peut rester s'il agit, s'il marche de cette manière-là. هذا الذي يمشي في أرض مليئة بالسباع والوحوش الضارية والعقارب والأفاعي والحفر المهلكة وهو ما عنده ضوء ما عنده نور لأننا نحن نستضيء بنور العلم في هذه الدنيا المليئة بما تعرفون من الحرام والمنكرات نستضيء بنور العلم الذي ما استضاء بنور العلم أي نور له nous on cherche à avoir à savoir, à pratiquer, à éviter le mal, à éviter les choses dangereuses par la science, par ilm al-din. Et si la personne n'a pas ilm al-din, comment il peut agir, comment il peut se préserver d'être en péril dans ce bas monde qui est plein de dangers, qui est plein de choses mortelles et ou des choses qui peuvent te ramener à avoir des actes qui ne sont pas valables, plein de haram, plein de choses qui ne sont pas en conformité avec l'islam. ومن أهم ما يحصل به للمؤمن طيب الأعمال أن يكون طعامه من حلال. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. Et la chose qui est très importante pour que les actes soient acceptés, le fait de consommer le halal. Et Sayyidina Muhammad a dit, et Allah, Jalla Sha'nuhu, celui qui est de haute mérite, qui est exempt de toute imperfection, a ordonné aux croyants de pratiquer des choses qu'il a ordonnées même aux grands messagers. Même aux messagers, il leur a ordonné la même chose. Il a ordonné aux croyants de faire certaines choses comme il a ordonné à certains messagers. Faqala ta'ala, يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله تعالى أدي أو مساجي أو فولي مساجي consommez de ce qui est halal dans la nourriture, consommez de ce qui est halal, cherchez à manger ce qui est halal et واعملوا صالحا. Alors agissez dans les actes de bien. واعملوا صالحا أي ما يصلح من العبادات. C'est-à-dire et de là on comprend que As-salat et certains actes là, pour qu'ils soient acceptés, il faut que tu manges du halal pour que ta prière soit acceptée. Ou que ton dua soit accepté. Et alors il faut que tu sois parmi ceux qui mangent du halal. من أعظم الأسرار لاستجابة الدعاء ترك الذنوب وأكل الحلال. Parmi les grandes causes pour que les actes, grâce à ces actes, que l'invocation a été exaucée, le fait de délaisser les péchés et consommer le halal. تَرْكُ الظُّنُوبُ وَأَكْلُ الْحَلَالِ عَلَى هَذَا كَانَ دُعَاء سَعَدْ نُؤَبِي وَقَّاسِ مُسْتَجَابِ وَعَلَى هَذَا كَانَ دُعَاء مُحَمَدْ نُوَاسِعِ مُسْتَجَابِ. C'est comme ça qu'on parle que سَعَدْ نُؤَبِي وَقَّاسِ parmi les compagnons s'est exaucé. Pas lui, mais lui, il est connu. Mais sinon, il y avait d'autres compagnons encore parmi les compagnons du prophète Mohammed, leur invocation est exaucée. Sayyidina al-Hussein, son invocation est exaucée. Al-Bara ibn Malik, parmi ceux, leur invocation est exaucée. Et on parle parmi Al-Awliya, Mohammed Nouassi, Malik ibn Dinar. C'est parmi Al-Awliya, alladhina kanat da'watuhum mustajaba. وقال تعالى هذا إذن يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. الله أخذني ومساجي de consommer le halal et d'agisser dans les actes de bien, dans les actes de l'ibadat, dans les bonnes œuvres et dans l'ibadat. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. من طيبات يعني مش الطعام الشهي حلال لا من الحلال. لأن بعض الأحيان بيحطوا بياعين الحلو يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم يعني تعالوا كلوا بقلاوة وكلوا بورما وكلوا شو اسمه
المراد هنا من الطيبات أي الحلال، ليس فقط اللذيذ المستلذ، إنما أن يكون حلالا لا من الخبيث. Alors j'ai dit الآية الله تعالى أخذني كرويان أو فولي كرويان الآية كي سينيفي أو فولي مانجي دو سكي حلال parmi الرزق. Chercher de consommer le halal parmi le rizq. Ne cherchez pas ce qui est mauvais, ce qui est interdit, ce qui est illicite. C'est-à-dire, ne cherche pas à travailler un banquier qui prête et qui prend un surplus intérêt. Ne soyez pas quelqu'un qui fait travailler les gens dans le haram. Il y a des gens qui, leur travail de A à Z est le haram, que ce soit alcool ou autre. Ou autre, yani. À la colline, il faut apprendre pour savoir comment je cherche à vivre dans le halal. Et Allah Ta'ala nous a ordonné de chercher le halal de parmi le rizq avant de manger. Bint al-Saghira kanat taqul li abiha abati ittaqillah wa la tut'imna illa min halal. Une petite fille, son père c'est un homme pieux, il sortait parce qu'il a bien éduqué la fille, elle lui dit: mon père, crains Dieu, ne cherche que le halal pour notre maison. أما بعض الزوجات ما بتسألوا لا وبعض الآباء ما بيسأل. يا certaines épouses ne demandent pas à son mari tu y travailles, tu y amènes d'argent d'où, منين جبت المال, لا أنت عندك نجار ولا tu n'es pas un salarié, tu n'es pas un menuisier, d'où tu as amené l'argent. C'est pas son problème de demander, seulement qu'il faut l'argent. Ça c'est pas bien, هذا لا يصلح. أو بعض الآباء, certains hommes, sa fille lui ramène de l'argent. Mais elle travaille dans quoi ta fille? Elle est ingénieure civile ou architecture d'intérieur ou enseignante de français ou anglais? Pas du tout. Mais d'où ramène l'argent? Il n'a pas de problème d'où vient l'argent. Il ne s'inquiète pas d'où vient l'argent. L'important, c'est que l'argent arrive. Et vous avez compris. C'est-à-dire, certains pères laissent sa fille travailler dans le haram, dans Azina, et qu'il lui ramène après l'argent. Et il ne dit même pas un mot. هذا شو بيسموه بعدين؟ هذا الذي يعرف الزنا بآله ويسكت, له اسم, ديوث. هذا ديوث والعياذ بالله تعالى. نسأل الله السلامة, نسأل الله السلامة. وفي الآية إشارة إلى أن الحرام رزق, ولكن علينا أن نأكل الرزق الحلال. c'est-à-dire celui qui cherche le rizq d'une source haram, ça s'appelle rizq, mais c'est haram de le consommer. Mais on dit c'est du rizq haram. Al-riba et ce qui est pareil, le vol, l'usurpation, le vol, c'est du rizq haram. Alors cherchez le halal. Kullu min tayyibati ma razaqnakum. Tout s'appelle rizq, mais toi tu dois chercher le halal et tu dois délaisser le haram. لأنه مين قال بغير هيك؟ المعتزلة قالوا إذا دي الحال رزق, إذا pour المعتزلة سي لو حلال, لو حرام ne s'appelle pas رزق. Alors أهل السنة ont dit, si les brigands et les voleurs ont pris un enfant depuis qu'il est petit et ils l'ont toujours nourri cet enfant de l'haram, toujours, toujours, toujours jusqu'à la mort, d'après vous il n'a pas mangé de رزق parce qu'il a toujours mangé le haram, et pour vous le haram n'est pas un رزق. Alors d'après vous, il n'a pas mangé de rizq Allah. Et Allah Ta'ala a dit: "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Izan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Rien ne bouge sur cette terre sans que sa pourvoyance sera de la part de Dieu. Et on sait que beaucoup parmi les gens sur la terre, ils mangent de l'haram. Et cet enfant là, il est parmi ceux qui bougent. Et Allah Ta'ala a dit: "Rien qui n'y bouge sur cette terre parmi les êtres vivants sans que sa pourvoyance soit de la part de Dieu." Mais quand même, les Mu'tazila, ils ont dit al-haram, ce n'est pas un rizq. Ala kulli, les Mu'tazila, c'est une secte qui n'existe pas actuellement comme ensemble, mais vous voyez peut-être des individus. Vous voyez des individus de la secte al-Mu'tazila. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام, après le prophète a parlé, ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام, après il donne l'exemple d'un homme qui voyage, il fait des longs voyages et qui est ash'as akhbar, pour sérieux, mal coiffé. C'est-à-dire comme ceux qui vont au hajj. À l'époque, il prend une année pour aller, une année pour le retour. Ou qui sort pour apprendre l'ilm, ou ils sortent fi sabilillah,
Après, ils n'auront pas le temps pour coiffer, ils n'ont pas le temps pour... Alors, ils voient, tu vois sur lui la trace de ce voyage. Et ça, c'est parmi les choses que grâce à ça, l'invocation est exaucée, parce que ce n'est pas facile, le fait d'être loin de la famille, du pays. في العادة هذا بيكون قلبه مكسور وفي حنين إلى الأهل والوطن وكذا، وهو خرج في هذه المسافة البعيدة لأمر مفيد لأمر ما، فدعاؤه أقرب للإجابة، وكلما طال السفر طال يكون أقرب أيضا للإجابة. فهذا واحد من الأسباب ذكر الرجل الذي يطيل السفر. وأشعث أخبر بسبب ما ذكرنا ملك وفي بوسيريو أكوز دونا دي لونغ فواياج. وبتعرفوا في الحديث رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أنه العبرة مش أنه جمال الثوب وجمال ونظافة البدن. دي فوا سا بوسيب كو كلكان إلا دي زابي تري أنسيان إي كي بو سيريو كي مال كوافي، مي سون انفوكاسيون إيت إكزوسي، باسكو سي با لاسبي كي كونت، سي لانتيريور كي كونت، لو كور. إيسكو سي كلكان كي كونسوم الحلال إي كي يا أن بون كور. يمد يديه إلى السماء، يرفع إلى السماء، يا رب يا رب. Et le fait de lever les mains vers le ciel, c'est pas parce que Allah habite le ciel, parce que du ciel descend الرحمة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام dans certains dua, il a fait comme ça jusqu'à on a vu les blanches qui se trouvent sous ses aisselles. بعض الأحيان النبي رفع يديه حتى رؤية بياض إبطيه. ويوم بدر le prophète a fait dua, il a levé le main jusqu'à que le rida s'est tombé, حتى الرداء وقع. Alors le fait de lever les mains, c'est une chose qu'on fait pour que le dua soit exaucé. ليكون الدعاء مستجابا ترفع اليدين. فالنبي ذكر هذا ايضا انه يمد يديه الى السماء. ثم يقول يا رب يا رب يا رب يا رب، يعيد اي كما جاء في القران قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Alors tu vois dans ces ayats, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il loue ceux qui louent Allah ta'ala parmi ceux qui les prieurs, le prient debout, assis sur un côté, qui louent Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana, à chaque fois qu'ils font dua, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Et Sayyidina Muhammad, qu'est-ce qu'il a dit ici? Que celui-là qui est long voyage, pour sérieux, avec la mal coiffée, il lève les mains, qui est encore parmi les choses qu'on fait. Et on dit, il dit, Ya Rabbu, Ya Rabbu, Ya Rabbu. Tout ça, toutes ces choses-là qu'il a fait, normalement son doigt est exaucé. C'est proche, c'est très proche d'être exaucé. Mais, مطعمه من حرام, مشربه من حرام, غذي بالحرام, ملبسه من حرام, فأنا يستجاب لذلك. مطعمه حرام, مشربه حرام, وملبسه حرام, وغذي بالحرام, فأنا كيف يستجاب لذلك. Alors سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit, mais cette personne qui a fait toutes les causes pour que l'invocation ait exaucée, celui-là il mange du haram, il boit du haram, il porte les habits du haram, et son corps a grandi le haram, comment son invocation va être exaucée? C'était loin que son invocation soit exaucée. C'est pour cela, un parmi les salihin, سفيان الثوري وغيره, il a vu les gens, ils se précipitent, qui fait la prière dans le premier rang, من يصلي في الصف الأول, هذا له شرف. الصلاة في الصف الأول لها مزيد ثواب, il y a plus de récompense pour ceux qui prient au premier rang, et lorsqu'il y a la récompense on se concurrence, نتسابق. لو كان يعلم الناس, si les gens à la mosquée, les gens, ils connaissent qu'est-ce qu'il y a
dans le azan et dans la première au premier rang comme récompense et il ne trouve pas de solution que le fait de faire un tirage au sort, il allait faire le tirage au sort. J'ai fait le hadith. لو أن الناس يعلمون ما في الأذان والصلاة في الصف الأول من ثواب ثم لم يجدوا سبيلا إلا أن يستهموا يقترعوا لاقترعوا على كل فهو ماذا قال انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصلي في الصف الأخير يعني وما عليك لو صليت بالصف الأخير الصلاة مقبولة أما إذا أكلت الحرام ولو صليت بالصف الأول وأذنت وعملت إمام من أين تقبل لك الصلاة Hein? Si tu as mangé du halal et tu as prié dans le derrière rang, la prière, il y a de la récompense. Tu as mangé du halal, tu as porté le halal, tu as fait les piliers comme il faut, tu as le khushu' et la sincérité. La prière, elle est valable et il y a la récompense. Mais si tu manges le halal, à quoi ça sert d'être dans le premier rang? Et tu as mangé du halal, du haram. Si tu manges du haram et tu fais dans la première rang, où tu as fait l'imam, où tu as fait le adhan, à quoi ça sert? Pendant que tu as mangé le haram, tu n'as pas de récompense. Alors, fi char le bnan zakir fi abas. Nous, des fois, lorsque la personne, il a le haram dans le ventre, ou il porte le haram, mais il avait le khushu', il avait le khushu' lorsqu'il a invoqué Dieu, et lorsqu'il a fait un zikr, il avait le khushu'. De point de vue le khushu', on dit, il a de la récompense par le côté khushu' qu'il a eu, il a la récompense. Nous, idha khasha'a qalbuhu, walau kan, في بطنه حرام أو لبس حرام بالخشوع الذي حصل له والتعظيم لله والخوف من الله فهذا الخشوع له فيه ثواب par ce خشوع qu'il a fait il a de la récompense et ce qu'on vient de dire les actes qu'il a fait de la prière les actes et ce qu'il a dit c'est là où il n'y a pas de récompense فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فأنا يستجاب لذلك يعني comment son invocation va être exaucée. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحلال الطيب من الطعام والثياب والشراب والسكنى ونحو ذلك وأن يبعدنا عن الحرام أن يبعدنا عن الحرام ولو كان كثيرا والله سبحانه وتعالى nous éloigne du haram même s'il est beaucoup et qu'il nous donne le halal même si c'est peu. بطنك يا ابن آدم شبر بشبر ليش بدر لما يدخلك نار جهنم فيس دو آدم ton ventre il est un empan sur un empan pourquoi tu le laisses ramener à l'enfer pourquoi tu laisses ton ventre te ramener à l'enfer ne mange pas le halal ne mange pas le haram consomme le halal ne mange pas le haram maintiens le halal à tout moment voilà où بدك même si tu trouves des difficultés cherche le halal comme il faut سبق اللسان يجوز ما vous voyez les lapsus de langue ça veut dire quoi qu'on ait des yeux أما الأنبياء لا يحصل منهم سبق اللسان les prophètes n'auront pas des lapsus de langue parce que les prophètes ils disent et les gens transmettent d'eux Allah les préserve de lapsus والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيب سنقرأ الفاتحة أو خلينا ندعو بعد ذلك نقرأ الفاتحة ونفليغ الفاتحة après الدعاء على نيت الشفاء pour notre le frère de notre frère فاتح on a un frère qui s'appelle فاتح parmi nos frères بو قرقور جا بو قرقور ماشي بو قرقور أخونا بو قرقور عبد الله بو قرقور عبد الله نحن بتون عنا عائلة قرقور هيدي قرقور قريبة il est très malade il est dans une il a fait une opération que Allah سبحانه وتعالى le guérit on fait دعاء puis après on fait الفاتحة صحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، زهدنا في الدنيا وراغبنا بالآخرة، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.